manifestations contre la réforme des retraites soutenue par le gouvernement, et ce, malgré une météo capricieuse. Quant au dialogue social et au débat démocratique, on peut en parler. Le gouvernement qui active l'article 44.3 pour avoir un vote bloqué et qui permet que l'Assemblée... Que pensez-vous du recours au 44.3 ? C'est un abus de pouvoir et un déni de démocratie. Que c'est antidémocratique. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cet article. C'est la dictature. C'est nul. C'est nier l'existence, notre existence et notre point de vue. C'est nul, c'est tout. On connaît le 49.3, bien sûr, mais on ne connaît pas cet article-là en particulier. Parce que l'opposition n'a pas pu exprimer la défense des amendements. Non, parce qu'ils ne concertent pas les gens. C'est un motif pour manifester, du coup ? Oui, pour continuer de manifester. Ce serait bien s'il y en avait plus, le monde. Pour réanimer la contestation. C'est dommage, les gens ils ne se déplacent pas assez, je trouve. Il n'y a pas assez de monde aujourd'hui. On va mettre ça sur le dos du temps. Il pleut et on a froid. Et c'est pour ça que vous avez un parapluie. Bah oui, voilà. C'est de l'énerve, hein.